Dès qu'on a cette capsule vidéo, la posture adéquate et les deux points que vous devez absolument éviter si vous voulez justement arrêter de perdre du temps ou arrêter de perdre de l'énergie. Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Tamry, propulseur de leader et fondateur du programme Réussite MLM, qui sont dans vos programmes de coaching et de formation en marketing de réseau et en développement personnel combiné pour vous aider à révéler le leader qui est en vous. Sachez que si vous voulez aller plus loin, recevoir des vidéos régulièrement pour vous former autant en marketing de réseau qu'à l'utilisation des médias sociaux avec votre compagnie de marketing de réseau, vous pouvez nous suivre sur notre chaîne YouTube Christophe Tamry et dans le lien au-dessus qui vient d'apparaître ou qui va apparaître, sachez que vous avez la possibilité d'accéder gratuitement à une webconférence 100% gratuite sur les 4 étapes pour devenir un pro en marketing de réseau et en vivre à 100%. Mais encore une fois, vous êtes libre d'y accéder. Donc, beaucoup de marketeurs de réseau ont tendance à baisser les bras dans leur business ou à se sentir affaiblis par rapport à ce que les autres pensent ou à ce que les autres leur disent. Et malheureusement, ils ont perdu quelque part l'ascendant face aux autres. Et en général, ça peut les tirer vers le bas simplement parce qu'ils ne savent pas vraiment sur quoi ils doivent focaliser et sur quoi ils doivent s'appuyer pour pouvoir à la fois garder une bonne posture, être bien perçu et surtout, on va voir quelles sont les deux causes qui ont tendance à vous faire perdre énormément d'énergie et de temps. Donc, parlons d'abord de posture. Qu'est-ce que la posture ? La posture, tout d'abord, c'est de comprendre que vous avez des convictions. Vos convictions par rapport à ce que vous faites, par rapport à votre métier, vous devez les conserver, les renforcer et avoir de fortes croyances indépendamment de ce que les autres vont accepter ou alors indépendamment de comment les gens vont, l'approbation qu'ils vont vous donner. Peu importe l'acceptation ou l'approbation, c'est à quel point vous êtes certain de ce que vous faites. Quand vous avez une certitude forte, ça se ressent dans votre posture. Et donc, il est impératif de comprendre que vous devez vous détacher déjà de l'approbation des autres. Vous devez vous détacher de l'acceptation des autres. Si certaines personnes vous disent bon, « ton truc ne marchera pas » ou « ton truc, c'est de l'arnaque », peu importe ce qu'ils croient. C'est à la rigueur, c'est OK. Peu importe, on continue. Alors, quelles sont les deux raisons qui ont tendance, les deux raisons ultimes même j'ai envie de dire, qui ont tendance à vous faire perdre du temps et de l'énergie? La première chose, mes amis, c'est de comprendre que, en général, les marketeurs de réseau ont tendance à vouloir se battre. Se battre par rapport à des reproches, par rapport à des critiques, par rapport à des remarques, souvent de leurs proches en général au départ. Et ils ont envie de se battre avec eux et de leur dire qu'ils ont faux, qu'ils ont tort, que c'est pas vrai, que ce qu'ils font c'est génial. Et donc qu'est-ce que ça fait? Ça fait perdre beaucoup d'énergie, ça fait perdre beaucoup de temps et en général, ça fait même se froisser avec des proches ou des amis. Alors j'aimerais vraiment déjà que vous vous débarrassiez de ce premier point. Le deuxième point, c'est que la deuxième chose qui fait perdre du temps, c'est de vouloir convaincre des gens qui ne sont pas intéressés par ce business. Vous cherchez des gens qui vous cherchent. Vous cherchez des gens qui veulent un mieux dans leur vie. Donc, il est impératif de vous concentrer uniquement sur ceux qui vous cherchent. Ça ne sert à rien de convaincre quelqu'un qui n'a pas envie de changer sa vie. Ça ne sert à rien de changer quelqu'un qui n'est même pas prêt à en savoir plus sur ce que vous faites. Donc, s'il vous plaît, ne vous battez pas, restez tranquille. Oui, bonjour, il y a un perroquet qui n'arrête pas de parler depuis tout à l'heure, j'adore. Et donc, ne cherchez pas à convaincre les gens, ne cherchez pas à vouloir vous battre avec ceux qui vous disent que ça ne marchera pas. Cherchez à recentrer votre énergie sur vos convictions, vos certitudes et concentrez-vous uniquement sur ceux qui vous cherchent. Concentrez-vous uniquement avec les gens qui veulent un mieux ou un plus dans leur vie. Concentrez-vous uniquement avec ceux qui veulent véritablement en savoir plus sur ce que vous avez à faire. Et quoi faire si effectivement les gens ne sont pas intéressés? Allez mettre l'hameçon ailleurs, allez mettre l'hameçon dans d'autres endroits et restimuler de nouvelles personnes, restimuler de nouveaux prospects et voyez qui est ouvert. Et à partir de ce moment-là, vous allez gagner du temps, vous allez vous concentrer sur les bonnes personnes et vous allez voir que vous vous sentirez beaucoup mieux, vous vous sentirez beaucoup plus sûr et votre business avancera beaucoup plus rapidement. Mes amis, partagez cette vidéo dans vos équipes parce que vous le savez, ça va les aider et parce que ça n'a jamais été le meilleur moment pour réussir dans le marketing de réseau. Pour ma part, j'ai envie de vous dire, comme d'habitude, osez faire ce que vous n'avez jamais fait. Croyez en vous et surtout, agissez pour révéler le leader qui est en vous. À très vite.